Hey, bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Diablo 4. Nous sommes accompagnés de CV Manga. Alors, Evoker. Oh. Tu l'as trouvé? Ah, je cherche. Puissent ces flammes purifier ce qui n'a pu être guéri, et puisse... Il est là, hein. J'ai ramassé le cadavre, il m'a dit que c'était pas le bon endroit, donc tu vois, c'est celui-là qu'on aura pu chercher un autre cadavre. Oui, il est en surveillance. Oui. C'était pas le bon... J'ai dit à Aldara que j'arrêtais de suivre son plan. Elle a utilisé l'amulette sur moi, son propre frère. Elle m'a tué. C'est le frère de notre faiseuse de miracles locale, Aldara. Ah, comme par hasard. Cette amulette pourrait être la cause de la maladie. Cela expliquerait pourquoi nous n'arrivons pas à la combattre. Ne dis pas que tu vas falloir aller la voir, ça serait drôle. Ah non, c'est bien plus haut, donc c'est bon, c'est pas tout de suite. Allez, on peut aller rendre la quête principale dans ce cas. Vous avez atteint votre destination. Là, on est où là? C'est vachement plus haut. Là. Ouvrir. Jamais après, ici il y a un hôtel de l'élite. Allez, bonjour. Thaïssa? C'est vous la sorcière de la tour? Oradrim, je pensais que vous vous rendiez au fort. Certes, eh bien... Et pourquoi vous aiderais-je? Eh bien, nous voulons aussi la mort d'Elias. Certes, mais réparer la pierre d'âme, cela implique Lilith. Et elle n'est pas mon problème. Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste un peu de vif argent et ces quelques outils. Vous savez qu'une demande modeste devient souvent plus conséquente. Mais... vous m'avez aidé à survivre à l'invocation d'Andariel. Mes outils sont donc les vôtres. Vous devrez aller voir Valta pour le vif argent. Trouvez-la, et elle vous donnera ce dont vous avez besoin. Ah, il y a encore 5 quêtes à faire ici. Oh, c'est loin. Ouais, mais il faut la faire. Ouais, j'ai jamais dit le contraire. Bah, si on peut passer par en dessous, ouais. On récupère l'hôtel de Lilith ici. Pardon, on peut couper par là? Non, on peut. Si à pied. Ah, il y a un gobelin en plus. Attends, on va prendre l'aggro. Là, on prend l'hôtel de Lilith ici et après on attaque le gobelin. Tant qu'on l'attaque pas, il bouge pas. Ah, mais attends, parce que je suis dans la gadoue là. Ça me ralentit. Non, c'est juste les mouches qui te ralentissent. Ok. Ah. Thank you.
Yes. L'hôtel de Lily était juste derrière. Gobelin, c'est rare hein, quand même. Bon, pas, si, c'est pas si rare que ça au final. Ça fait que 3 fois hein, et on était ensemble à chaque fois. Moi, ça, je le vois pas. Il est là l'hôtel. Hein. Ah non. Oh, il est bien. Oh, il est bien sûr. En direction de la suite, il doit y avoir un hôtel par là. Hop, je peux te mettre ton cheval, hein, même en combat. Il me faut plus de temps. Oh, t'es chou, là. Ah, je suis allé un poil trop loin, il est juste là. Hop. Après, il suffit de repasser en dessous. Ah, je suis bloqué. Hop. Là, faut faire quoi là-dedans? Faut trouver quelqu'un? Parler. Non, trouver Valta dans les étendues. J'ai une reliquaire. Là? J'ai un reliquaire, ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est une quête. Ça s'est passé? Ah non, c'est une quête. Ah, pardon. Bon, maintenant, autant tout tuer, hein. On va dans la zone, c'est le temps de trouver la personne. Il me faut plus de temps. Il peut tout, mais... Halt. Ok, j'ai. Au revoir. J'arrive. Tu as fini, quête bleue? Oui. Ah, mais j'ai pas fini. Ah. Ici. Le chaudron bouillant. Il y a le grimoire de bataille. Ah, mais t'as dû valider pour moi. Ah, bah, elle est là. Non, j'ai rien fait. De fureté chez les gens. Thaïssa vous a, sans le savoir, envoyé à votre mort. Elle finira par réaliser la futilité de la traque qu'elle mène contre Elias. Et elle saura alors que Lilith incarne notre futur. Super! Qu'est-ce qu'ils ont tous? Je ne sais pas. Ils sont tous en bouquet, quoi. Je n'ai pas assez d'esprit. Encore des cendres pour le chaudron. Allez. Je ne suis pas encore prêt. Ah,
Je suis à court d'esprit. Je ne suis pas encore prêt. Vous n'échapperez pas au feu. Ah non. Je dois attendre. Je n'ai pas assez d'esprit. Je dois attendre un moment. Sac à pavé, quoi. Je dois attendre un moment. Comme dans les rêves. Ok. Tout ça pour ça en plus. Ok, donc. On nous demande d'y retourner. Les portes à la ville. Voilà, des portes sûres. Attends. On peut pas. Annule, annule. Enfin, j'ai voulu me téléporter, il a jeté la fiole, on est obligé d'y râler. Heureusement que j'ai vu, parce que sinon on était obligé de refaire tout le chemin. Il me faut plus. Ah, il y avait une trappe sur le chemin. C'est pas mal, c'est dommage. Ah, vous êtes de retour. Placez le vif argent purifié dans la coupe sur la table. Et comment allait ma sœur ? Valta a préféré Lilith à votre amitié. Elias l'a convaincue de se joindre à lui. C'est impossible. Elle n'aurait jamais fait confiance à quelqu'un comme Elias. Ce n'est pas Elias qui l'a séduite. C'est Lilith. Elle a trouvé ses aspirations convaincantes. Valta a été mon instructrice lorsque j'ai rejoint cette voie. C'est... Difficile à croire, je sais. J'ai vu nombre de mes alliés passer dans le camp de Lilith. Des gens que je croyais plus solides que ça. Mais c'est pourquoi nous devons réparer la pierre, afin que plus personne ne croie à ces mensonges. Tout d'abord, le vif argent. Versez-en un peu dans le récipient. Augmentez la flamme. Tournez la roue deux fois. Ou est-ce que c'est trois fois? Refaites encore un tour. J'ai pu oublier. Ah, le soufre. Broyez-le dans le mortier. Shashilyu Kinnim. Shashilyu Kinnim. Shashilyu Kinnim. Non, ça ne marche pas. Ah! Allons discuter dehors. Il n'est pas en état d'accomplir sa mission. Que pouvons-nous faire ? Je le soupçonne d'avoir perdu toute confiance en lui. Nous ne pouvons dissiper tous ses doutes. Mais pour le récent deuil de son fils, il y a un moyen. Par contre, il ne va pas lui plaire. Pourquoi l'aider ? Vous pourriez simplement nous abandonner à notre sort. De temps à autre, tout le monde a besoin qu'on lui rappelle qu'un danger peut être surmonté. Il suffit d'essayer. Oradrim, venez par ici. Hein ? Pourquoi ? Je veux vous emmener quelque part. Un ancien site de puissance des marais. Je pense que ça vous fera du bien.
J'espère qu'elle nous la fait pas l'envers. Hein. Waouh, c'est un donjon, je pense. Le marais de la famine. Super le titre. Bah, on peut couper en faisant droite-droite, là, comme tout à l'heure, quand on est descendu, ça va plus vite. Ah oui, à pied. C'est parti. Pourquoi aller là-bas? Je n'ai plus rien à faire là. Vous ne le voyez donc pas? Laissez-moi retourner. Retourner? Où ça? Et après, il faut juste le faire et trouver le truc, c'est ça? Et il faut les amener au site du rituel, donc il va y avoir un... C'est joli, Marie. Il va y avoir un site. Ah, droite. Par la lumière. Vous sentez ça? La magie du marais est plus puissante ici. Valta m'a fait découvrir cet endroit quand j'étais plus jeune. Ici, on peut affronter ses démons, ses peurs ou ses peines. Qui est... Non. Non. J'en ai assez de tout cela. Et que comptez-vous faire à la place, hein? Rien n'est gratuit dans le marais au Radrim, pas même votre magie. Si vous croyez qu'une quelconque logique régit cet endroit, vous vous trompez. Je... Où est votre sens de l'aventure, hein? Mort avec votre jeunesse? Allez faire une offrande au marais. Un anneau, un collier, un objet auquel vous tenez. Pendant ce temps-là, notre camarade ira à la recherche de deux choses. De licor d'asticot et des fleurs de lotus jaune. Ça ne sert à rien. Bon, bah la licor d'asticot, je te la laisse. C'est parti. Hein. Allez, on va fouiller. Ça a l'air gigantesque. Trouver le lotus jaune. D'accord. Je pense que j'ai trouvé la reine des asticots. Je dois attendre un moment. Ah, tu vas pas venir, il y a plein d'asticots, c'est mignon. Ah. Ouais, c'est bon, on peut retourner voir là. Michel. Là. Ah, on va faire une bonne soupe. Vous voyez les braseros? Allumez-les tous. Ensuite, nous boirons le thé et nous attendrons. Qu'est-ce que j'avais dit, une soupe? Attendrons quoi? Que les marais appellent votre âme et extraient ce qui vous envenime comme on extrait le poison d'une blessure. Oh.
Oh non! Ils arrivent! Père... D'accord. Ne t'en fais pas. Père... Yorin... Mon fils... Comment est-ce possible? Mon fils... Je t'en prie, reviens. Reviens. Je n'aurais pas dû te laisser partir. J'aurais dû dire non. J'aurais dû te garder avec moi, Aedain. Pourquoi m'as-tu laissé partir? Je ne sais pas. Ce regard dans tes yeux. Tu étais prêt. Tu devais partir. En effet. Et je le dois encore. Attends. Tu dois... Père. Je suis prêt. Ah oui. Qu'est-ce qu'il... Le portail. Le fiston. Je ne le sais pas. Surtout à tout le monde. Bon bah... Let's go. Oui. Allons voir notre copain. Le seigneur des enfers de la haine. Ne vous avais-je pas dit que les Horadrim ne feraient que vous ralentir? Regardez-les. Tellement consumés par leurs émotions qu'ils en oublient ce qui compte vraiment. C'est Lilith, la véritable menace. Pas Elias. Je sais pourquoi elle vous effraie autant. Mon destin est lié au vôtre. Si elle me dévore, ce sera la fin de Sanctuaire. Mais vous pouvez encore l'arrêter. Et si je vous ouvrais un portail pour sortir du marais? Laissez les Horadrim s'occuper d'Elias, c'est leur responsabilité. Tous les deux, nous pouvons arrêter Lilith. Je sais qui sont mes véritables alliés, mes amis. Ramenez-moi à eux. L'heure du jugement approche. Et vous verrez alors qui sont vos véritables alliés. Prenez le portail et retournez auprès de vos alliés. Ok. Si Lilith l'emporte, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Non mais je vais gagner, peut-être pas. Bon alors, il a fini de pleurer c'était triste. Je ne sais pas encore. Il a erré pendant des heures avant que le thé ne fasse plus effet. Les longs périples dans le marais sont plus bénéfiques. Il me semble que cela a été plus long pour vous. Avez-vous affronté vos démons intérieurs comme le Horadrim? Oui. J'espère que c'était la dernière fois. Commençons. Ajoutez le vif argent dans le récipient.
feu, tournez la roue deux fois. Pas plus, pas moins. Réduisez le soufre en poudre, délicatement. Maillet. Shiryu Jinnim. Souffre. Attention. Reculez. C'est terminé. C'était facile en fin de compte. Vous ne vous rendez pas compte du prix d'une telle chose, de ce que l'on doit affronter, surmonter, pour effectuer ce rituel magique. Peut-être pas, mais... Assez. C'est fait. Passons à autre chose. Oui. Notre objectif est au fort du Zakharum. Allons-y. Bon bah Donald, j'ai l'impression qu'il est prêt à casser des culs. Hein. Et il veut se venger pour la mort de son fils, ça y est. Alors... La prochaine zone, c'est là-bas. Hein. Ah, il y a pas... Le point de téléport le plus proche, c'est ici, je pense. Ça va être, ça s'appelle comment, les ruines du fort, là où on a été tout à l'heure. Ouais. Okay. Ouais, direction la quête. Alors, c'est la seconde partie là. Hein. Oui, bah ça fait partie de l'acte 5. Mmh. C'est parti. C'est bizarre le choix là. Il y a des moments où t'appuies sur l'espace, il va courir comme une flèche, et des moments où t'appuies, il avance fort. Et là, il y a des sortes de décors invisibles qui l'empêchent d'avancer. Ah, il faudra trouver le rat. Notre ami le rat Ténérel. Oh, faut fouiller la zone, je pense, on peut le trouver. Ah, mais il est là. Ah, quel endroit répugnant pour rechercher la connaissance. Il a dû penser qu'il n'avait pas d'autre choix. Et nous non plus. Ok, c'est parti. Une autre paire d'yeux, ce n'est pas trop tôt. Nous cherchons Timué, en vain. Oh, on va aller chercher Timué ensemble, hein. C'est pas comme si la zone était gigantesque qu'on va chercher. Moi, je pense qu'il y a des chances qu'il soit là-bas dans le coin. Ouais. Allez, sur ce, bye bye tout le monde. On se retrouve bah, peut-être demain pour la suite des aventures sur les donjons à faire, etc. Et sur ce... A bientôt. Non. Oui. Bye.